On travaille avec des individus plutôt qu'avec une communauté. Mais cette multiplication des individus avec qui on travaille sur un temps donné ou sur un lieu donné, ça forme finalement une communauté. Si on peut parler de Fons Colombes, on a commencé à aller à Fons Colombes il y a à peu près 2 ans et demi. Et on s'installait sur place et on s'asseyait sur un banc. Et les gens passaient et on disait bonjour. Et pas plus que ça. Je veux dire, très, très, très tranquillement, sans être didactique, sans expliquer ce qu'on est en train de faire, très doucement, de retourner le lendemain ou une semaine après, de peut-être croiser la même personne en disant bah oui, c'est pas mal, etc. Et commencer doucement, doucement à raconter ce qu'on est en train de faire. Et à ce moment-là, on commence réellement à rentrer dans la matière, quoi. On l'a pas vu encore. La colombe ? Donc il y a ça, rentre des conversations sur l'esthétique, sur cette manière de englober la cité. Et après les gens commencent à dire oui, mais la cité c'est comme ça, c'était comme ça, on aimerait que ce soit comme ça, etc. Bon, voilà. On partage une passion commune avec les habitants, celle de s'emparer d'un esprit fantaisiste pour créer, pour inventer des formes poétiques. L'idée qu'on a trouvée avec les habitants, c'est de leur fenêtre, de l'endroit où ils sont. Ils regardent, il y a un appel terrible du pays, de l'horizon. On voit la mer, on voit Notre-Dame de la Garde, on voit tout ça. Et il y a une incitation à la rêverie devant cette immensité. Et la question, c'était un peu, à force de rester devant une fenêtre, on a l'impression de voir des choses, des mirages. Quels sont ces mirages? Et ce qui fait qu'on, avec les habitants, on voit des couscoussières géantes, on voit des baobabs, on voit des boîtes de nuit dans des tornades. Lors d'une première étape l'année dernière, on a travaillé sur la construction du salon incandescent et ses chaises chaudes, qui était une proposition faite aux habitants parce qu'on entendait beaucoup l'idée que, nostalgique, qu'avant on sortait les chaises et qu'avant on mangeait ensemble. Et avec ces illuminations de Noël que certains habitants font sur leur balcon, on s'est dit, tiens, on va sortir des chaises. Chacun sort sa chaise, qu'on illumine à l'aide d'une ou deux ampoules. Et en fait, des chaises identitaires de chacun. Chaque appartement, celui-là, il est plutôt Louis XIV. Celui-là, c'est une chaise de camping. Celui-là, c'est des petites chaises, parce que elle garde des enfants, donc il y a des petites chaises d'enfants. Et tout le monde sort sa chaise. Et finalement, ces chaises, ça a toute l'apparence d'une sorte de... Donc très coloré sur ces balcons-là, et finalement, tous ces bâtiments prennent une allure comme ça, d'une sorte d'arbre de Noël en béton, qui est assez étonnant parce que tous les balcons sont éclairés par l'ampoule qui reflète à l'intérieur du plafond, de ces murs, etc. Voilà. Aujourd'hui, on est en train de noter avec les habitants, on a créé une lexique des histoires qui va constituer cette plateforme. Voilà. Donc il y a une sorte comment dire, une sorte de matrice de départ qui est cette sorte de cascade de lumière avec une structure évidemment, et à partir de cette structure, des sortes de satellites fabriqués avec les occasionnels de l'art, quoi. Donc des choses comme ça qu'on va pouvoir sans doute installer sur place en refabriquant à partir de ces formes, d'autres formes, ou les couper, ou les réassembler autrement, selon les projets à venir avec les différentes personnes. Le mot est en fait un qualificatif qui va donner la tonalité de l'ensemble du projet. Ce mot est juste au-dessus de cette plateforme où il y aura toutes ces œuvres lumineuses installées. Et du coup, en contrebas, et du coup, quand on se lève la tête, elle est juste au-dessus, donc éclairée dans la nuit, de manière à ce que des gens de Marseille puissent le voir de très très loin. Voilà, de très loin, on le voit bien au-delà de ce bâtiment-là. Ce qui fait que pendant un moment, les gens vont se demander, mais qu'est-ce que c'est? C'est où ça? Qu'est-ce que c'est cet endroit-là? Pourquoi il y a ce mot-là? Etc. Et c'est un appel, une sorte de manière aussi de dire, venez, venez nous voir, venez rencontrer cette œuvre en fabrication.